Demain, on fera comme on a fait tous les ans depuis 2002, depuis le premier anniversaire. On se rassemblera au rond-point du 21 septembre pour rappeler tout ce qui n'est encore pas réglé. Alors, en premier lieu, il y a évidemment le procès qui a débouché l'année dernière, en novembre, sur une relaxe générale, ce qui est évidemment complètement inacceptable pour tous les sinistrés de la catastrophe. Il y aura un appel dans un an exactement, pour le 10e anniversaire de l'explosion, et on entend bien faire valoir de nouveaux arguments pour cet appel. En particulier, on entend s'appuyer sur les arguments du tribunal qui ont clairement démontré que Grande Paroisse n'existait plus, que Grande Paroisse c'était un faux-né de Total, et ensuite que la commission d'enquête interne avait dissimulé des preuves, la fameuse preuve qui manquait pour prouver de façon définitive l'erreur industrielle qui a conduit à cette catastrophe.